Les derniers petits achats de souvenirs, d'épices et tout ça à ramener avant de rentrer. On a trouvé un petit marché, c'est sympa ici, c'est assez cool. Et je crois que je me suis ramassé un coup de salé sur le pif. Traditionnel avec du rôti, donc c'est à base de farine et de noix de coco, farine de riz, cocotte de sambal et des dalles. Donc les dalles c'est des lentilles, un curry de lentilles, et puis le cocotte de sambal c'est de la noix de coco fraîche qui est mélangée avec avec des épices, avec des oignons, là ils ont mis un peu de tomates et avec un peu de piment, c'est extrêmement bon. Bah alors j'ai quand même une ou deux petites astuces à vous donner pour prendre l'avion ici. On nous a demandé au moins deux trois fois le billet d'avion pour partir avant la sécurité. Donc le seul problème en fait c'est qu'il était dans le téléphone et on n'avait pas accès à internet. Ce qui veut dire que je vous conseille de faire des print screen du boarding pass avant de passer à la sécurité, comme ça vous le montrez et puis il n'y a pas de soucis. Voilà, dernier petit conseil pour ce voyage. En tout cas j'espère que le Sri Lanka vous a plu. C'était un magnifique voyage. Là, on va prendre l'avion pour une nouvelle destination. Heureusement, c'est pas tout à fait fini. Donc, restez en ligne. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus, de faire des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine aventure. Don't ever have to leave, don't ever have to...